Gagnons une institution qui a travaillé depuis longtemps pour capable et bien définir comment Port-au-Prince pralier, pour capable définir bâtiment public comment le pralier, pour capable définir tout figui Port-au-Prince comment le pralier. C'est UCLBP, unité de construction de logements et de bâtiments publics. À Souéa, nous allons permettre qu'on ait un aperçu. Nous bien dit un aperçu parce que gros qu'aucune chaîne de travail que UCLBP a fait, il faut que son autre présentation, son autre séance d'information pour nous faire, pour nous montrer parce que il est en pile. Donc, nous avons invité le directeur général UCLBPA, qui c'est Clément Bélisère, pour lui gravir le tribunal, pour lui capable de faire un aperçu de qui quantité et qualité de travail que l'a fait, qui pral changer Figui Port-au-Prince. Monsieur Bélisère. Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le président de du Sénat, honorable Joseph Lambert, le président de la Cour de cassation, M. Jules Cantave, les honorables parlementaires, le corps ministériel, et je salue aussi les membres de la communauté internationale, les grands commis de l'État, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, c'est une présentation sur les programmes de Malan Créole, sur le programme socio-gouvernement. Donc, on va montrer aujourd'hui la vision gouvernement sur justement reconstruction. Je nous connais, nous perdons 44 bâtiments publics, administration publique pendant le tremblement de terre. Donc, qui gens nous pourrons reconstruire ça et qui gens nous pourrons remettre le centre commercial noir qui se centre ville là en vie. Et pour nous capables de résumer la situation, nous avons des amis commerçants qui étaient dans le centre ville là, qui dit comme ça que un mauvais jour dans le centre ville là, avec opération Bagdad, kidnapping, violence, etc., il est plus bon que un bon jour dans Pétionville. Il ne faut pas oublier que le centre-ville, c'est là nous avons kilomètre zéro. C'est là que le groupe national numéro 1 contrat avec le groupe national numéro 2. Donc c'est là, c'est vraiment le centre nerveux de l'économie et en particulier du commerce en Haïti. Donc, je commence par passer une petite vidéo pour montrer vision et puis nous allons montrer réalisation rapidement pour nous finir.
Ok, donc ça c'est des belles images, des belles vidéos. Donc Foulia, nous pourrons montrer nous qui gens justement n'a mis en œuvre vision ça que nous est là. Ok, et n'a commencé cité administrative de Port-au-Prince. Je nous connais, nous gagnons cité administrative de Port-au-Prince et nous pourrons faire en janvier n'a une autre présentation avec toutes les parties prenantes justement sur comment nous allons remettre downtown ça, nous allons mettre centre-ville à recamper. Avec UCRBP pour bâtiment, avec travaux publics pour voirie, EDH pour courant, dîner par poudre, etc. annoncé pour justement pour nous capables de faire tout qu'on connaît qui gens, qui ça gouvernement planifié pour remettre downtown à recamper. Ok, nous avons aussi des bâtiments, nous avons aussi des photos, mais bâtiments finalisés, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui occupe déjà depuis quelques temps. Ok, c'est des bâtiments 14 000 mètres carrés. Nous avons la cour de cassation qui a été un don de Taïwan que nous remercions. Ok, nous avons le ministère du commerce CFI. Ok, nous avons plusieurs bâtiments en construction, je vous dis. Nous avons la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons toutes photos sur notre ou dans la vidéo tout à l'heure. Et puis, nous avons le palais des finances qui a fini d'après moi dans les 3 à 6 prochains mois, qui gagne 3 bâtiments, qui gagne MEF, AGD et puis DGI. Ok, mais de l'autre vue, c'est des chantiers énormes. Nous avons plusieurs études qui finalisent, qui peuvent entrer en mise en œuvre de la mesure du possible. Tout de suite, qui peuvent commencer, ça, c'est le palais législatif qui va loger le Parlement. Ça prend pratiquement le plus gros bâtiment en Haïti qui a fait à peu près 40 000 mètres carrés et qui a commencé incessamment à mobiliser ce chantier. Tout le processus est bouclé, donc ces constructions ont commencé. Nous avons MPCE et IHS qui sont sur le même site. Donc nous avons une réunion aujourd'hui pour nous qui sont capables de commencer avec MPCE d'abord. Toutes les études sont finalisées, la mairie de Port-au-Prince, le palais municipal de Port-au-Prince. Le palais de justice, maison de l'avocat et parquet de Port-au-Prince, trois bâtiments ensemble. Nous avons études pour CNMP, Commission nationale des marchés publics. Toutes études sont finalisées complètement prêtes pour exécution. Et l'autre projet que nous avons à venir, qui est en étude, nous avons le complexe de la primature et ses institutions, par exemple UCLBP, c'est une institution qui dépend de primature. Ok, et pour nous capables de comprendre qui côté lié, nous avons là, nous avons corridor administratif là, c'est des pointeurs. Bon, en tout cas, c'est au bas du corridor administratif. Ok, nous avons parlé à qui commence le corridor administratif là en haut. Et au bas, et boulevard Ritouman, c'est là que nous avons gagné primature et annexe. Donc, mais Iloa, pour les gens qui connaissent la zone ambassade Ilo, qui a gagné un point restaurant, etc., etc., même les pratiquement vide. Ok, nous avons le projet, nous avons le concours d'architecture du palais national qui est en cours, qui avance bien loin, mais qui malheureusement est interrompu par le 6 et 7 juillet et plus récemment et le 18 novembre. Donc c'est un projet côté que nous avons un concours d'architecture à 2 degrés. Premier 8 qualifiés, ils soumettent des avant-projets déjà. Donc il faut qu'il y ait une délibération de jury qui fait pour passer de 8 à 4. Il y a 4 finalistes à eux-mêmes, ils peuvent arriver dans le niveau avant projet sommaire. Donc nous avons 8 propositions, yo, fermé, on s'est climatisé sous les notaires. Donc nous avons et budget yo, pratiquement mis à disposition. Nous avons et après fête justement pour nous capables, parce que nous avons des membres jury international pour nous faire venir, souhaitant que tout le bagaille est calme pour nous capables de faire première délibération et jury pour premier niveau. Et 6 semaines après, nous avons une deuxième délibération et nous avons un projet là même. Okay. Donc ça c'est pour nous capables montrer le site palais national là. Et pour nous capables, nous avons une photo là qui sont perspectives de justement mise en œuvre de vision gouvernement pour centre-ville là.
Là, nous campions et nous regardons vers l'ouest. Ok, nous campions zone quartier général. Ils vont regarder cours de cassation, le palais des finances, le ministère de l'Intérieur. Donc, imaginez-nous seulement, nous regardons que nous réussissons, mettez la machine en branle pour justement le secteur privé capable d'entrer, de prendre contrôle, possession, gagner et pour nous faire des modèles de civils. Imaginez, l'obgade des volumes sans perspective, ça y est. Il faut regarder tout le reste de l'air, c'est un paquet de tigres. Imaginez, vous prenez tout le tigre, ça y est, pour faire des buildings qui ont la même dimension, la même taille, mais pour le secteur privé, que le bâtiment public. Donc, nous imaginons nous justement qui gens sont capables d'améliorer la mobilité dans le centre-ville et qui gens sont capables d'améliorer la qualité de vie et la qualité des affaires. Donc, c'est ça la vision qui commence à se dessiner dans le concret. Merci de votre attention.